rapide dans la crise. Parce que je dis, c'est le monde qui a souffert. Mon, par exemple, dans le Grand Sud qui n'a pas traversé le matin. Mon Cité Soleil, la Saline, c'est le cap souffert. Belé, c'est le cap souffert. Et l'école pas nouvelle. Nous, comme groupe responsable, nous disons qu'il faut que nous dégagions pour mettre Jean-Jacques pour qu'il y ait un accord politique avec tout le monde. Et c'est dans ce sens-là, nous disons, délégués nous, est-ce que vous êtes d'accord pour nous parler à tout le monde, sans distinction? Nous disons, pas. Nous demandons nous continuer à parler. Et c'est dans ce sens-là, Jean-Éric Casso dit nous, nous faisons plus de rencontres. Mais il y a des gens qui pensent que nous avons aimé la bataille du peuple seulement dans la rue. Hein. Nous avons utilisé l'arme de la dialectique. Sous Jovenel, nous n'avons pas utilisé. Parce que Jovenel, pas en forme de parole, et il a fait un pire crime, il a fait un pire acte sur la population. Nous n'étions pas précis, nous n'avons pas chita avec. Et Ariel Wenchita, on ne peut pas dire ça. Le jour qu'elle va respecter le peuple. Il va respecter le secteur démocratique. L'affaire des dérives, nous ne pouvons pas chercher. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas chercher Timon Soupé. C'est pays n'a plus. Et c'est ça que fait nous dire, il faut qu'on ait un accord politique avant de reconnaître le gouvernement. Le gouvernement qui a sorti un accord politique, qui tout le monde a participé là-dedans. Pas le gouvernement doit être gauche. Chercher quelques grands monde dans le monde. Nous ne pouvons pas reconnaître CEP qui l'a. Parce que c'est CEP, le peuple a fait confiance pour nous. Nous ne pouvons pas reconnaître Ariel qui n'a pas participé dans l'accord. Si tout le monde est d'accord pour Ariel, le ministre. Ça veut dire qu'il est important pour nous saisir les préoccupations du secteur démocratique. Tout marché, secteur marché dans votre monde. C'est pour permettre qu'elle vive avec mon accord politique. Faites la fatigue. Faites la souffrir. Nous avons besoin d'activité reprendre. Nous voulons vivre. Jeunesse a voulu l'espoir. Nous voulons construire. Et nous voulons avec tout le monde. Nous voulons sécurité. Et c'est peut-être ça que j'ai profité de l'occasion. Pour demander aux groupes amis de poser des armes. Nous ne pouvons pas théoriser la propre population par nous. Déposer les amours de la paix. Et c'est ça que nous cherchons. Les gens qui ont un problème à la justice, nous cherchons un avocat. Mais déposer les armes parce qu'on n'a pas fait ça pour les encore. Et c'est dans ce sens-là, je voulais que le peuple haïtien comprenne très bien. Dans quatre batailles, nous ne pouvons pas quitter une grande revendication. Nous considérons Ariel comme un acteur, même si elle est un acteur. Parce qu'elles sont acteurs importants, nous occupons. La primature, des faits. C'est important, c'est d'ignorer ce que nous n'avons pas compris dans la politique. Ce que nous chitons avec elle. Mais nous passons des 1 pouce dans la revendication. Et nous n'avons pas Ariel 1 poussière en termes de reconnaissance et de légitimité. Nous n'avons pas 1 poussière. Parce que tout ça, vous ne pouvez pas le public en nos accords et que le peuple a d'accord. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons que le peuple haïtien continue à placer confiance. Non, STP. On a avancé, on a pris toutes les revendications en bas pour nous, mais on a moyen stratégique pour nous montrer que nous avons construit l'autre pays. Parce que définitivement, nous voulons tout Haïtien parler avec Haïtien. Et c'est ça qu'on a fait. Nous ne sommes pas criminels, nous ne sommes pas volés. Nous ne sommes pas de mauvaises affaires, nous n'avons pas l'air. André, petit peuple là, je vais dire. Tu parles avant nous. Et je dis après pratiquement 26 jours depuis qu'il a assassiné Jovenel Moïse. Et 26 jours après, le pays a une situation exceptionnelle. Et jusqu'à présent, le secteur démocratique et populaire et le peuple haïtien, il n'y a pas de gouvernement. Jusqu'à présent, nous ne pas reconnaître. Aucun gouvernement, nous ne reconnaître aucun premier ministre, c'est-à-dire qu'on vit institutionnel, qu'on vit politique dans notre pays. Et nous disons, tout autant, la politique encore, à soi, tout autant, pas gagner un consensus politique
qui baille un accord politique, nous ne pouvons pas reconnaître aucun gouvernement, nous ne pouvons pas reconnaître aucun premier ministre, aucun ministre, nous ne pouvons pas reconnaître personne. Et le secteur démocratique et populaire est engagé dans la bataille pour nous capables de résoudre la crise politique, pour nous capables de joindre un accord politique. Dans ce sens, le garçon dit qu'on parle avec tout le monde dans la société civile, tout le monde dans la classe politique. Là. Et je dis, nous parlons avec la communauté internationale. Là. Nous parlons avec M. Ariel Henry et nous disons dans la figure que jusqu'à présent, pour le secteur démocratique et populaire, il n'est pas premier ministre. Nous ne pouvons pas reconnaître les premiers ministres. Et nous ne pouvons pas reconnaître aucun premier ministre, tout en pas un accord politique. Et nous disons le matin en tout avec la communauté internationale là, que nous rencontrons. Nous disons pour le secteur démocratique et populaire, 7 juillet 2021, ils ont assassiné Jovenel Moïse. Et comme Jovenel Moïse a écrasé toute institution dans le pays, il a écrasé le pays, je dis que nous avons une situation exceptionnelle. Pour nous sortir de cette situation, il faut qu'on ait un consensus politique qui baille un accord politique. Accord politique, ça, gagner une série d'éléments, une série de dossiers qui doivent en dedans accord politique ça. Accord politique ça, premier bagaille, c'est que faut le bas un gouvernement consensus, c'est un gouvernement PHTK, un gouvernement comme si nous avons fait les mains sans réclame, comme ministre de la Justice, nous conserver tout le gouvernement et puis on a l'élection. C'est comme si nous étions des imbéciles. Non, ça ne marchera pas comme ça. Un gouvernement de consensus, un gouvernement équilibré. Deuxième élément, nous disons nous-mêmes, nous voulons un gouvernement, un exécutif bicéphale. Nous disons communauté internationale là ça, et nous disons M. Ariel Henry ça, nous voulons un exécutif bicéphale, c'est-à-dire fort bon président, fort bon premier ministre, et c'est conforme à la Constitution, c'est conforme aux lois de la République. Nous disons dans l'accord politique ça, une bagaille qui est fondamentale pour nous, c'est la libération des prisonniers politiques. Nous disons avec la communauté internationale la matin, parce que nous rencontrons, nous disons avec M. Ariel Henry, qui n'est pas premier ministre parce qu'il n'est pas dans l'accord politique, mais qui occupait l'espace climatique, et le Chicago, l'autre bord. Il faut qu'il y ait une libération des prisonniers politiques. Et des prisonniers politiques, tant pour Anel Bélisère, tant pour Kili, tant pour Job et tout l'autre, qui sont éparpillés à travers le pays. Au Cap Haïtien, Jacques Mel, Nani, dans le plateau central, faut tout prisonnier politique ça est libéré. Et nous disons ça, pas bien accord politique, si prisonnier politique n'est pas libéré, et nous insistons sur ça. L'autre élément qui est important, nous parlons maintenant avec la communauté internationale, et avec M. Ariel Henry, que nous ne reconnaissons pas comme premier ministre, mais qui occupe le primature. C'est question élection. D'entrée de jeu, le secteur démocratique et populaire dit très clairement, nous-mêmes nous rejetons la parole élection dans la fin année 2021. Par aucune condition qui réunit pour une élection. Et dans l'accord politique là, il faut qu'un conseil électoral crédible, un conseil électoral honnête, qui fait avec participation l'ensemble du secteur clé dans le pays. Un secteur pour la presse, pour pas faire un conseil électoral pour le baladin. Au secteur d'un coup, FDH, la Fédération des barreaux de la République, qui sont un secteur très représentatif, ou pas qu'à des conseils électoraux, au secteur d'un coup, les syndicats, faut y la donne. Le secteur paysan, faut y avoir un conseil électoral là. Au secteur d'un coup, secteur vaudouisant, faut y la donne. Secteur droits humains, faut y la donne. Conférence épiscopale, faut y la donne. Etc. etc. C'est-à-dire que le conseil électoral faut équilibré. On parle des organisations populaires qui doivent en dedans et conseil électoral. Bref, pour nous, il faut qu'on conseil électoral. Le conseil électoral, ça, c'est lui-même qui pourra le faire en évaluation du processus électoral, qui pourra jeter question 4 des malheurs là.
qui pour dire maintenant qui peut regarder l'élection. Pour l'élection en fin d'année 2021, on a parlé, c'est mon signe folie à l'élection. Et nous dit, il y a un élément fondamental qui nous dans tout accord politique, c'est la sécurité. Il faut casser les gants, il faut désarmer les groupes armés. Nous connaissons Jovenel Moïse. Non seulement craser toute institution pays, mais avant de mourir, il te fait alliance avec gang pour craser le pays, pour violer le monde, pour tuer le monde, pour voler les bagages du monde, pour assassiner le monde, pour les désarmer le groupe armé, pour craser les gangs pour capable de gagner une condition qui réunit pour l'élection faite. Le moment va arriver, pas dans le pays. Nous disons, nous attachons à la question de la conférence nationale. Là. C'est là où la discussion est faite. Parce que nous avons un système pesé sous ses qui s'est mis dans quatre côtés de pays, depuis au final assassiné Papa Nation Jean-Jacques Dessalines. Il faut craser le système pesé sous ça. C'est une revendication du peuple, et c'est secteur démocratique et populaire. Il ne peut jamais quitter la revendication du peuple. Nous disons, une série de décisions, Jovenel Moïse te prend, des décrets te prend, il faut rentrer. Nous disons, les Jovenel Moïse prennent des paysans, plateau central, la Tibonite, dans le nord, il faut reprendre des paysans, on en met à peine, on va les paysans en zéro. Je n'ai pas accepté ça. Nous ne pas arrêter avec l'oligarchie. Et ce Jovenel qui a proposé de combattre l'oligarque et puis la volée des paysans, bah, grand nègre. C'est un menteur, c'est un bluffeur. Vous allez nous, pas qu'à faire confiance. Ok? Nous disons tes paysans, Jovenel, te prend pour bah, à peine, c'est pour reprendre des paysans. Pour bah, fondamental, c'est pour les paysans. Nous disons, il faut que la justice fonctionnelle. C'est important, le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Il y a des juges d'instruction, il y a des juges honnêtes, il n'y a pas jamais nommé pour Jean-Wilder Morin, il n'y a pas jamais nommé comme juge d'instruction. Bon, pas l'autre juge d'instruction qui est honnête, si SPJ dit au dernier travail, il n'y a pas jamais reconduit comme juge d'instruction. Nous disons, dans le corps politique, ça y est. Faut que ce soit adressé, parce que nous ne pouvons pas accepter pour juge d'instruction, juge qui est honnête, nous mettez en dehors, et puis qu'on y a ces juges de vous, la montée d'accès, la bande, la marbellise, la bande. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Faut que ça n'a pas encore politique là. Nous dit également, une série de gros dossiers de justice, fait un accord politique là. Massacre à Saline, faut devenir un cochon, manger cadavre. Prenne action nous, que Jovenel Moïse est assassiné, faut pousser ça au fait. Nous dit, massacre Cité Soleil, que Jovenel Moïse est fait, avant d'être assassiné, faut pousser ça au fait. Massacre Belé, oui, faut pousser ça au penser. Massacre Delma 32, que Jovenel Moïse par avant là, avant de là, faut pousser ça au fait. Pousser, normal, que tout le monde suspecte. C'est Martine Moïse qui traîne à nous. Votre procès a avancé. Nous dit procès de Boris Saint-Hilaire que Jovenel Moïse, avec sécurité par la nationale, exécuté pendant l'école normale. Votre procès a avancé. Nous dit, on est dans le petit blanc à tout. Nous tous les connaissons. Ah, nous oh. Exécuté pendant le bras de la caille. Votre procès a avancé. Nous pas cédé en iota sous revendication peuple là. Nous disons procès Petro-Caribé. Tout le monde connaît ce qu'on a comme Petro-Caribé. RTK, Matéli, Lalo, Elatrié. Faut que dossier ça avance. La mort, nous ne pouvons pas quitter le dossier ça comme dans vous. Alors, en gros, secteur démocratique et populaire. Volambert, clair, pour notre démarche. Garibaldo, on va rencontrer tout le monde pour qu'on accorde politique. Mais premier baguette, nous ne pouvons pas reconnaître aucun premier ministre, aucun gouvernement tout autant par un accord politique. Et à ce encore, nous ne pouvons pas reconnaître Ariel Henry comme premier ministre, parce que ce n'est pas nous qui mettons pas un accord politique. À ce encore, nous ne pouvons pas reconnaître aucun monde qui est dans le gouvernement. À ce encore, nous disons, je dis à mon vide politique dans l'État, pas de président, pas de premier ministre, pas de ministre. Nous clair sur ça, c'est la position du secteur démocratique. Et là, on a avancé. La police, il faut qu'on coupe de balai. On a été foulé au châle, on va se taper des missions déjà. Nous ne pouvons pas confondre la bataille. Bref, nous avons tenté
les revendications du peuple pendant toute rencontre que nous faisons avec le monde des secteurs diplomatiques, l'autre monde de la société civile, l'autre monde de la classe politique, avec monsieur Henri, jusqu'à présent occupé et fauteuil de Mathieu. Et nous engageons pour nous faire tout ça possible pour un accord politique le plus vite possible. Et nous, société civile, marché pour trait, prend responsabilité. Mais marché pour la vie, qui est la dernière génération aux gens, fédération des barons, prend responsabilité nous. Nous-mêmes, nous travaillons avec nous. Et nous, la société civile, là, et écoutez, il faut qu'on travaille tout le monde, parce que par aucune société civile qui a droit, qui a autorité pour faire une solution. Et nous, l'autre monde politique, attention, il faut que tout le monde vienne mettre sur la table là. Il n'y a personne qui a pu imposer aucune solution. Et nous disons, Ariel, ou même, ou pas qu'on premier ministre, même, parce que vous avez un accord politique. Voilà la position que nous avons défendue aujourd'hui et avant-hier, au cours des différentes rencontres avec les secteurs que nous avons rencontrés dans le cadre de cette démarche pour aboutir à cet accord politique. Merci la presse. C'est pour ça que le secteur démocratique là, nous transparents, tout ça n'a fait pour nous faire devant la population. La Jovenel Moïse était là, c'était un assassin, c'est un criminel, c'est un menteur. Nous n'avons jamais accepté de rencontrer pendant 4 ans et demi l'effet à craser le pays. Mais je dis à nous prêts pour parler avec tout le monde et nous continuer à parler avec tout le monde pour nous capables de construire le pays à son base consensuelle permanent pendant que nous continuons à porter revendication peuple, la revendication jeune, pour le quartier populaire, revendication diaspora, revendication paysan, revendication pays, pour nous capables de placer ce système PCC dans le cadre du pays. Merci beaucoup, secteur démocratique et populaire. Je remercie la presse qui l'a assuré. Nous sommes capables de des conférences de presse et nous féliciter tous les médias traditionnels, radio, télévision, médias en ligne, qui n'ont pas des conférences de presse en direct. Merci en pire, de rester connectés avec le secteur démocratique et populaire. Dans le jour de la avant longtemps, nous avons l'autre information qui est bonne. Juste passé 4 ans, le secteur démocratique a boumé. Pour nous capables de livrer, offrir nation, une situation de gouvernance telle que chaque monde est capable de vivre là-dedans, de ressentir le droit et respecter comme nous. Malheureusement, pendant 4 ans, la situation a dégénéré. Gang, passe par là. Grand coup, montée de la pôle, montée des ciel. Chômage pour jeunes garçons, jeunes femmes, c'est pas parler. Dans le temps, tableau somme ça. Jovenel Moïse, qui tape maintenant politique d'encourager les gangs, qui tape maintenant politique de destruction des institutions nationales, qui tape maintenant politique de terreur, qui fait qu'il y a un paquet d'exécutions sommaires et massacres qui fait dans le pays. Et bien, cette politique de violence, et bien, l'a emporté Jovenel Moïse, qui est mouru par la violence. Et on voit que nous déplorons nos autres du SDP, parce que nous avons besoin de Jovenel Moïse aller en temps pénitentiaire pour répondre de crimes que le fait pays. Je dis, ça fait près de 26 jours, si je ne m'abuse, depuis que Jovenel Moïse mouru. Et le pays a retrouvé avec les gens qui occupaient la primature sans que ce n'est pas société, ce n'est pas diverses couches, diverses composantes dans la société qui te mettent les gens à côté de l'hier. Naturellement, occupant la primature, ils ont gagné une nomination que on désignation de Jovenel Moïse de l'Élysée, une nomination comme premier ministre. Cependant, nous autres, depuis 7 février 2021, nous te connaissons constitutionnellement mandat de Jovenel Moïse est fini. Donc pour nous, je dis à là, Haïti n'est pas dans une situation côté ni constitutionnellement, ni légalement, tu as gagné une prévision que tu as faite pour être capable de répondre à la situation nous là, vous avez gagné pour les gens qui entrent en dedans primature ou bien dans le palais national. Après compréhension ça de la situation, secteur démocratique là, dit d'être lié sur la situation devant nous là. Ce n'est pas une situation côté une partie politique
une organisation capable de chita, pourquoi, quelle que soit la force que l'État a gagné pour le dire, mais solution pour le pays. Donc nous pouvons, on nécessite aujourd'hui pour le pays arriver à un accord politique. Dans ce sens, le secteur démocratique là, c'est un bâton pèlerin pour le dire, nous ne pouvons pas entrer dans aucune initiative. Côté, c'est yon moun, yon parti qui décide mes solutions. Nous ne pouvons pas signer un yon qui est antagonique. Nous devons travailler avec tout le monde pour nous arriver à un accord inclusif qui réunit toutes les forces vives, société civile, la force vive et parti politique, force vive pays globalement. Dans ce sens, c'est que la démocratie la chita parlé avec société civile qui cherche une solution haïtienne dans la crise. Nous faisons plusieurs rencontres ensemble avec eux. Nous partageons point de vue nous avec eux, compréhension nous de situation pays et compréhension nous sur façon pour crise ça nous la donne pays à sortir la donne. Nous chita parler avec marché pour la vie pour l'autre branche société civile là qui gagne monsieur Gédéon Jean cap diriger. Nous chita parler avec eux à côté d'autres personnes. Nous, secrétaire démocratique, la chita parlé avec les signataires du protocole d'entente. Protocole d'entente qui était désigné Lambert Joseph Fouet, le président de la République, qui était désigné Ariel Henry comme premier ministre. Nous avons un problème qui vient de passer dans le temps. À un moment donné, après désignation, nous avons eu un retrait de l'appui que le protocole d'entente a été par Ariel Henry. Mais malgré tout, nous croyons que nous avons une parole pour nous dire tout. Non plus ça pays à la dedans. Secteur démocratique là, je t'ai parlé avec les entités non signataires du protocole d'entente. Par exemple, il y a OPL, il y a Uniforce, il y a Vérité, etc. Nous chita avec toutes les entités ça. Mais tout chita ça a besoin seul bagaille. Pour chaque monde qui a une proposition pour résolution de crise là, pour venir porter son table. Pour nous tous ensemble, nous prenons ça, prenons ça, sortir à une seule proposition pour nous bailler pays pour nous sortir de la situation où là. Malheureusement, jusqu'à date, nous ne pouvons pas arriver à cette proposition unique. Secteur démocratique là, chita, Jean et Marjorie sont dit là, nous chita avec des mouns en dans corps diplomatique là. Parce que ils étaient là. Les Jovenel Moïse ont crasé toutes les institutions dans le pays. Ils étaient là, les Jovenel Moïse ont fait massacre dans le pays. Ils étaient là, les Jovenel Moïse ont encouragé, financé, protégé gang dans le pays. Donc nous estimons qu'ils ont leur mot à dire dans la situation dans laquelle le pays se trouve actuellement. Donc nous sommes avec vous, nous disons voici qui sa responsabilité par nous. Le moment est venu pour le pays pour nous arriver à une solution. Un, pour nous résoudre cette question de sécurité qui est nous dans gorge dans le pays, pour nous résoudre le problème de ne pas déplacer dans le grand sud, le grand nord, côté nous avons mouru chaque jour, question de kidnapping qui nous a passé là toujours. Donc nous disons qu'il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité pour nous parler avec les gens qui ont fait une petite proportion que nous prenons pour nous arriver à ce climat apaisé, ce climat de sécurité que le pays a besoin pour nous avancer. Après toute rencontre ça, nous estimons que nous n'avons pas le droit de fermer la tête pour que les gens ne parlent pas. Parce que ça n'a pas fait assez bon bagage secteur, son bagage pour le pays. Non. C'est toute masse pays à nous mettre chita ensemble pour nous arriver à une solution. Dans ce sens, nous recevons une invitation du Premier ministre Ariel Henry, Premier ministre de facto, l'occupant de la primature. Nous analysons, nous disons qu'il faut qu'on aille si Ariel Henry, les quatre vérités, il faut qu'on parle avec lui. Balavel et M. André Michel, Raldino, qualité parole que nous parlons avec Ariel Henry.